avait 1000 euros et qu'il était métis ma yunga batoué. Bonsoir, hein, puisqu'on était ensemble il n'y a pas longtemps, quand je vous avais parlé à ces couillons de Michael Moussa, et je n'ai pas sommeil parce que mes radars sont braqués du côté de Londres, où se trouve le grand malade de la sablière. Voilà. Quand j'ai publié l'information, ça a paniqué parce que ils aiment que ce type-là aille en cachette. Ils ont peur qu'il y ait un coup d'état derrière lui. Mais ce qui doit arriver, arrivera. Même s'il crève là-bas à Londres, aucun regret. S'il crève, ce serait la libération du pays. Parce que celui qui a amené tout ce bordel-là, parce que lui-même est un bordel. Voilà. Donc ne me reprochez pas de ne pas avoir un cœur sensible. J'étais l'un des rares, je dis bien l'un des rares, à avoir pitié de ces couillons-là. J'ai eu la faiblesse de penser qu'après une épreuve comme celle qu'il a traversée, il allait changer. Au contraire, il est devenu 10 fois plus méchant que par le passé. Alors qu'il crève là-bas. Qu'il crève. Il faut que le pays se libère. On est fatigué. Je veux rentrer chez moi. L'Europe, c'est pas chez moi. Je veux rentrer chez moi. Et même s'il crève à Londres, on s'en fout. On va danser. Quelle que soit l'heure, s'il crève, moi, je viens vous réveiller. Je viens vous réveiller pour dire que le type là, c'est fini. Comme ça, on commence les pas de danse, la répétition générale. Parce que le pays se sera déjà libéré. Celui qui a amené tout ce bordel-là, les gens comme les Michael Moussa, et comme l'autre-là qui a la tête comme le singe-là, Lambert Mata. Vous voyez le bordel, quelqu'un meurt. Donc, ils sont méchants même vis-à-vis des morts. Ils en veulent aux morts. Ce soir, en parlant à ma mère même, je disais que si ça avait été moi, donc si c'était moi qui étais mort, je touche du bois, il n'aurait pas accepté que mon corps rentre au Gabon. Si c'était moi qui étais mort, il n'aurait pas accepté que mon corps rentre au Gabon. Parce que Fabien Mère ne dérangeait pas comme moi je le dérange. Donc, ils ont fini de le tuer et ils ne veulent même pas que le corps rentre au pays. Vous avez vu ça où? Et puis c'est qui? C'est des couillons qui ne sont même pas des Gabonais. Des rigolos, des placés économiques qui viennent prendre le pays en otage. Donc même si le daï là, pas de regret. Au contraire, je vais danser. J'ai des bouteilles de vin là-bas, au premier, là où il y a la cuisine. J'ai mes bouteilles de vin qui coûtent très cher. Je vais appeler à Manji ces jours-là. Exceptionnellement, on va lever l'interdit pour la première fois de ma vie. Je veux boire un peu de vin. Ça ne tue pas. Donc, même s'il meurt à Londres, on s'en fout. C'est même ce qu'on doit souhaiter. Parce que le Gabon est tombé. Vous ne m'avez jamais entendu parler comme ça. Si vous m'entendez parler comme ça, c'est que là, vraiment, on a atteint le paroxysme. J'étais parmi ceux-là qui disaient souvent non, laissez, on ne peut pas. Et je me suis rendu compte avec un peu plus de recul que ceux qui avaient souhaité sa mort avaient raison. Ceux qui avaient souhaité sa mort avaient raison. Sa mort, ce serait la libération d'un pays. Parce que
cette idiote de Sylvia là ne va plus faire les brouffes qu'elle fait là. Où les étrangers viennent maintenant commander les Gabonais dans leur propre pays. Vous avez vu ça où? Au Sénégal, là, ça ne se passerait pas comme ça. Au Mali, ça ne se passerait pas comme ça. Donc, dès que j'ai annoncé qu'il a pris l'avion, pourquoi il part en cachette? Pourquoi un président peut vivre en mode petit Moukouya? Il veut nous gouverner comme ça, en mode petit Moukouya? Quand il s'agit de questions internationales, on voit cet abruti parler. Là, il est président, il est chef de l'État. Quand il s'agit des problèmes qui se passent au Gabon, cet idiot-là n'arrive pas à prendre la parole pour dire que non, arrêtez. Donc, qu'il meure, je m'en fous. Excusez-moi, je vous assure que le respect est en cours de téléchargement. Le fichier est trop lourd. Et tant qu'ils n'ont pas libéré, tant qu'ils n'auront pas libéré le réseau, ça ne peut pas se télécharger. Donc, il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect. Vous ne pouvez pas accepter ce qui arrive au Gabon. Hein? Regardez comment le pays est. Nous sommes en train de perdre notre pays. Nous sommes en train de perdre notre pays. On ne peut pas. Ce qui arrive aujourd'hui, on n'a jamais vu ça ailleurs. J'ai du mal à dormir. J'ai oublié de trouver un peu une occupation. J'ai oublié de ranger même mes vêtements parce que bon, il y a... Là, bientôt, l'hiver s'achève. J'essaie de... Parce que j'ai du mal à concevoir ça. Que Maître Méry, qui était jusqu'à ministre de la République, qu'on fasse ça, ce qui s'est passé. Ce n'est pas normal. Je crois qu'il faut qu'on commence à organiser des représailles ciblées. Il faut des représailles ciblées. C'est trop facile. C'est trop facile de laisser ces idiots faire du Gabon ce qu'ils veulent. Moi, j'ai mal au cœur. Parce que le Gabon est au centre de mes préoccupations. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, une amie qui m'a dit, j'ai l'impression que tu vas aimer le Gabon plus qu'une femme. Plus que ta femme. J'ai dit, je crois. Parce que le Gabon, c'est ce qui est le plus précieux. Vos histoires des pays des Blancs, là, moi, je n'ai rien à foutre. Sinon, je serais resté après les études ici. Moi, mon paradis, c'est le Gabon. Et quand les gens détruisent le Gabon, je ne peux pas être d'accord. Ali Bongo est parti. Qu'il meure, qu'il reste là-bas. Les gens sont en train de dire, oui, il n'est pas parti. Vous pensez que je suis fou? Moi, j'ai des éléments de renseignement jusque dans la maison d'Ali Bongo. Donc, quand il est terminé, je suis informé. S'il meurt, je serai parmi les premiers Gabonais à être informé. Et quel que soit l'heure, je viendrai vous réveiller. Il est à Londres. Il est hospitalisé là-bas. Il est hospitalisé à Londres. Il a quitté le Gabon précipitamment. Il devait rester encore pour former un nouveau gouvernement après la formation du bureau du Sénat. Mais... ça a été plus fort que lui. Vous avez vu quand il est passé à la télévision. Il est passé quand? C'était mardi, je crois. La conférence sur la paix, le développement durable qui s'est passé dans un pays arabe. Vous avez vu? Ali Bongo était affaibli. Il était affaibli. C'est-à-dire que là, on lui demande de faire des efforts supplémentaires. C'est bien, parce qu'il va mourir comme ça. On ne va pas arriver en 2023 avec ça là. On ne va pas arriver à 2023. Ils n'ont qu'à continuer à lui demander des efforts. On ne peut pas maturiser un peuple jusqu'à ce niveau, vous aussi. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Et ça, là, maintenant, les gens qui ont placé ces diables-là, ils ne parlent plus. Ils se sont tus. Ceux qui faisaient sa campagne en 2009, pour dire que c'est le bon choix. Voilà un monstre qu'on a, on a élevé. Et le peuple aujourd'hui est en prison, sans armes, sans rien. C'est pourquoi j'ai dit non. Même s'il meurt, là, je m'en fous. Je regrette, hein. Je vous assure que mes radars sont à Londres. J'appelle mes informateurs toutes les 2 heures. Pourquoi il est parti à Londres? Pourtant, il avait esquivé Londres.
Il n'allait plus à Londres parce que son fils a violé une Américaine et la plainte attendait là-bas. Je ne sais pas comment ils ont arrangé ça. Donc, moi, je vous dis tout simplement, il faut rester mobilisé. Si vous apprenez qu'Ali Bongo est mort, il faut envahir les rues. Ils ne vont plus bombarder, ils ne vont rien faire. Parce qu'il n'y aura pas de, le trio là qu'ils veulent faire là. Non, ça ne marchera pas. Avec un chien comme Michael Moussa Adamo, ministre de la Défense, il va assurer la transition comme ça? Non, on ne peut pas accepter ça. Il ne faut pas accepter. Donc si vous appelez qu'Ali Bongo est mort, on profite pour libérer le pays une fois pour toutes. De toute façon, on dit au village que le vent aide les personnes de sa hache à se procurer du bois. Le vent aide les personnes de sa hache à se procurer du bois. Et je vous dis sincèrement, tel que c'est engagé là, ce type là va mourir avant 2023. Il va mourir en 2023, il n'a qu'à mourir et puis nous libère le pays. On ne peut plus continuer comme ça, vous aussi. On a fait quoi pour mériter ça? Où les vrais enfants du Gabon sont hors du pays, ils sont obligés d'aller en exil. Et le danger qu'il y a aujourd'hui, c'est que nous, on a eu la chance d'être arrivés. Mais les autres persécutés ne pourront plus fuir le Gabon. Parce qu'avec le contexte sanitaire actuel, vous ne pourrez plus avoir le visa. Pour venir en Belgique, il faut un motif valable. Pour aller en France, c'est pareil. Donc, nous, on a eu la chance. Mais on plaint le sort d'autres qui sont tentés de prendre le chemin de l'exil. Donc, la solution, ce ne serait pas de fuir, d'aller à l'extérieur, parce que vous n'aurez plus de portes, c'est fermé. Je crois que même les Espagnols, là, dans leur île de Lampedusa, là, ils vont tout faire pour que les gens n'aillent plus là-bas. Alors, à partir de ce moment, on fait quoi? On n'a pas de choix, on n'a plus de choix que de garder bien notre pays, faire en sorte que l'on cherche. Il faut qu'on se batte, c'est pourquoi je vous ai dit, il faut qu'on s'organise. Ce qui est arrivé là doit nous renforcer, c'est dans les preuves. C'est dans les preuves qu'on doit être soudé. Les épreuves doivent renforcer notre fraternité. Donc, on va faire des exercices. Il y a des choses qu'on doit faire. On dira plutôt sur la toile. Parce que c'est ma boule là qui travaille pour les services spéciaux là. Bêtement, il y a d'autres gars qui sont intelligents qui sont là-bas. Mais il y a d'autres ma boule qui sont là qui appliquent bêtement les lois. Parce que c'est des pêcheurs de mâchoirons, les chasseurs de porc-épics qu'on a recrutés dans les villages là-bas. Donc, ils appliquent bêtement les consignes. Et quand vous avez aussi ma boule comme Michael Adamo, Michael Adamo, vous ne pouvez qu'avoir des gens bêtes comme lui-même. Donc moi je vous dis sincèrement, moi j'attends cette nouvelle, que ce type-là meure. S'il peut avoir quelqu'un pour l'empoisonner, qu'on l'empoisonne même, qu'on finisse. Il a fini avec son père, il avait empoisonné son père. Donc si on peut trouver quelqu'un dans ce sillage-là pour mettre ce poison-là, c'est terminé, on n'en parle plus. C'est pas quelqu'un. Ali Bongo, c'est un chien, c'est pas quelqu'un. J'ai cru jusqu'au dernier moment que ce type-là avait compris. J'ai cru jusqu'au dernier moment qu'il allait changer après l'AVC, parce qu'il a l'ordre de la mort. Mais les quelques moments de lucidité qu'il a, il a pris quelle décision? Il ne s'occupe pas. Il s'occupe de gérer les affaires extérieures. Mais les affaires du Gabon, il s'en fout. Quand je vous dis qu'il n'est pas mort, il est là, il y a des gens qui viennent dire, oh, il est mort. Mais continuez à marcher. On est là, c'est une affaire, on doit réfléchir comment l'achever, c'est tout. Il faut réfléchir aux moyens pour l'achever. Et puis on passe à autre chose. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire là. Vous voyez comment le pays entre les mains des étrangers. Il a envoyé, vous voyez l'ambassade, l'ambassadeur du Gabon en France. Sous Omar Bongo ne peut pas envoyer un étranger en France comme ambassadeur. Jamais, on n'a jamais vu ça. Sous Omar Bongo, on ne pouvait pas envoyer un étranger comme ambassadeur en France. Jamais. Là, on a envoyé Liliane Boulaboula. Elle n'est même pas congolaise, hein, cette femme-là. Elle est rwandaise. Liliane Boulaboula, ses parents sont rwandais.
Donc on a l'Iban Suleiman qui était déjà, qu'on avait envoyé en Arabie Saoudite, heureusement que son accréditation n'a pas été acceptée. On a l'autre pervers là, qu'on a envoyé du côté de Rome, ambassadeur du Gabon à Rome, Eric Chenel, un pervers. Comment on peut accepter ça? Comment on fait pour accepter ça? On ne peut pas. Moi, je vous soumets. Nous sommes devant une situation. Je vais créer un WhatsApp spécial. Un Telegram spécial, un numéro de Telegram spécial. Ça va être une boîte à idées. Chacun va m'envoyer un message pour des propositions. Et le moment venu, quand on va aller rencontrer les partenaires, je vais dire, bon, voilà les propositions que les gens font. Il faut qu'on sente qu'il y a une volonté populaire de finir avec ce régime. Parce qu'il ne faut pas qu'on pense que ça vient de moi, deuxièmement. Parce qu'on va dire, oh, mais c'est toi seul. Il faut qu'on sente. Donc, vous pouvez mettre des faux noms, machin, je ne vous demande pas vos identités. Mais je vais créer un numéro Telegram. Installez-vous tous, installez Telegram, s'il vous plaît. C'est pas WhatsApp. WhatsApp n'est plus sécurisé. Vous installez Telegram et vous envoyez vos propositions. Comment on doit faire pour libérer le pays? On doit en tenir compte. Quand on va rencontrer des partenaires, on doit avoir ça avec nous. Voilà, le nombre de messages. S'il y a beaucoup de messages, je dirais, bon, voilà. C'est pas moi. Au moins, vous nous donnez la force. Parce que je ne serai pas seul. Je ne cherche pas à savoir l'identité de tel, machin, moi, c'est pas important. C'est le nombre de propositions que les gens vont faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit libérer notre pays. C'est une question de vie ou de mort. Ça ne doit pas se... Ce qu'on a vu aujourd'hui là, où on intercepte ce qu'on a vu hier, puisqu'on est déjà minuit, ce qu'on a vu hier, jeudi, où on intercepte un cortège funéraire et il n'y a pas de réaction, non. Ça là, si on avait déjà notre branche de protection, il y aurait eu de représailles. Donc, en attendant qu'Ali Bongo meure, il faut qu'on bouscule. Parce qu'en bousculant, quand il y aura, il va encore être angoissé, il peut mourir. On n'aurait même pas besoin de le toucher. Parce que l'AVC là, quand on a fait ça là, en cas de rechute, on peut partir pour toujours. Donc, faut pas suivre les rigolos qui sont venus là, qui ont dit non, Moulinda a menti, fake news. Mais Ali Bongo qui le sort, comme ça, il fait une interview avec la presse gabonaise, s'il est au Gabon. Pourquoi on ne le voit pas? Pourquoi il n'arrive pas à faire une interview avec les journalistes? Qu'il fasse l'interview avec les journalistes? Pourquoi il ne le fait pas? Il devait faire l'interview avec les journalistes gabonais, pourquoi il ne fait pas ça? Il ne fait pas l'interview parce que il ne peut plus parler. Il n'a pas ses facultés avec lui. La société civile a demandé une rencontre. Pourquoi il refuse de recevoir la société civile? S'il était bien portant. Peut-être qu'il ne planait plus à mesure de diriger le Gabon. Où il va aller se reposer pour toujours. Ou alors, on l'achève par tous les moyens, c'est tout. L'euthanasie existe. Hein? Je crois qu'en Suisse, on pratique l'euthanasie. C'est-à-dire qu'on abrège la souffrance de quelqu'un en accélérant sa mort. Donc moi je vous dis sincèrement, je ne suis pas là pour rigoler. Hein. Moi Ali Bongo n'est pas mon parent. C'est un Nigérien, c'est un Biafré. Il n'est pas mon parent. Il ne s'est pas comporté comme un Gabonais qui aime ses compatriotes. Et on n'a plus à avoir de compassion pour un type comme ça. Qu'il crève, même s'il crève à Londres là-bas, moi je n'aurai pas de regret. Je vous assure, aucun regret. D'abord, il a cherché à me faire éliminer. Et là, c'est sa pétasse de femme cherche à me faire éliminer. Elle donne mandat à Liliane Boulaboula de chercher tous les moyens pour m'éliminer. Je suis informé. Parce que j'ai dénoncé sa relation avec son bonobo là. Vous trouvez ça? Vous pensez que moi j'aurai la compassion pour lui? Ah. C'est fini. Hein? Moi, je ne suis pas Jésus. Jésus n'était pas de Mangio. Je vous dis, je ne suis pas Jésus. Jésus n'était pas de Mangio.
Donc je ne peux plus être tendre. S'il meurt à Londres, tant pis. Et ce qu'on peut faire même pour un type comme ça, s'il meurt là-bas, son corps reste à Londres. Il ne rentre pas au Gabon parce que c'est une malédiction pour le pays d'avoir un corps comme ça dans notre pays. Il faut faire comme ils ont fait. Vous avez Biya a refusé que le corps d'Aïdjo rentre au Cameroun. Aïdjo est mort. Tu vois, c'est en 82, c'est pas quelle année, 82. Mais le corps d'Aïdjo est resté au Sénégal, il n'est jamais rentré. C'est ça qu'il veut. Vous avez vu ce qu'il a voulu faire à Ahmed Merah là. Ils n'ont pas voulu que le corps rentre. Ils ont trouvé tous les prétextes. Mais le coronavirus, c'est un faux prétexte. C'est un prétexte qu'ils donnent. Ils ont d'autres choses qu'ils font avec le coronavirus. Donc moi, je ne vais pas vous garder longtemps. Je suis venu vous confirmer puisque je n'ai pas fait de vidéo à ce sujet. Ce n'est pas parce que je n'ai pas fait de vidéo. J'en ai parlé dans mon journal Matin d'Afrique pour dire que Kali Bongo est parti. Quand moi je prends mon temps d'écrire, ce n'est pas une plaisanterie. J'ai eu des sources sûres. Ali Bongo est parti à 2h du matin à bord d'un avion médicalisé. Il est parti à bord d'un avion médicalisé. Loué par la présidence. Il avait 3 personnes proches de sa femme, de son entourage. Et Sylvia Bongo, sa femme. Voilà. Ça ne va pas. Contrairement à ce qu'on vous dit que ça va, le président se porte bien, c'est faux. C'est du mensonge. Il faut vous préparer à toute éventualité. Si vous apprenez que le gars est à Daï, alors il y aura un mot d'ordre. Ça ne se passera pas comme ils veulent faire. C'est normal, quand vous avez les étrangers comme Michael Adamo, ou Michael Adamo, je ne sais pas comment on l'appelle, Michael Moussa. Lui-même c'est un étranger, c'est normal qu'il veuille que Nourdine Bongo prenne le pouvoir, parce que lui-même c'est un étranger. Comme ça, ça va faciliter aussi pour ses enfants. C'est normal. Mais nous, les vrais enfants du Gabon, on ne peut pas accepter ça. Nous, les vrais Gabonais, on ne va pas accepter ça. J'ai fait un article dans Matin d'Afrique, c'était par rapport à ça. Je sais que les Gabonais n'aiment plus lire, ils aiment rester allongés. Et puis, j'ai vu des gens qui ont, quand j'ai publié, non, grave, fais-nous un live pour nous expliquer, tu nous as habitués. Mais vous aussi, apprenez un peu à lire, vous aussi. Hein? Faut pas être paresseux comme le roi Iboubou. Je sais que le roi Iboubou, il vous a contaminé sa paresse. Un type comme Ali Bongo, il est paresseux. Je me demande même comment il a fait pour faire ses enfants-là, parce qu'il doit être paresseux partout. Je ne sais pas si Malika, c'est vraiment son enfant. Je vais demander un peu à Malika, vraiment. Faut qu'elle me dise la vérité. Parce que son père, là, il a l'air paresseux partout. Les hommes comme ça, là, ils sont paresseux. Bon, heureusement que pour fabriquer un enfant, on n'a pas besoin de beaucoup d'efforts. Hein. Parce qu'un paresseux comme ça, là, je ne sais pas, c'est un bon allié, quoi. Comme avait dit la dame, là, un homme rempli de graisse comme ça, là. Il fait rien, quoi. Donc, et tout de suite, les gens du régime ont dit non, Mourenda a menti, c'est faux, le président n'a pas bougé. Mais quand vous le montrez, si j'ai menti, ils sont en train de blaguer, ils ne savent pas que si moi je me mets à manipuler l'information, ça va être grave au Gabon. Si je me mets à manipuler l'information, ça va être grave au Gabon. Imaginez-vous, je viens à 4h du matin, je vous annonce qu'Ali Bongo est mort. Il y aura des scandales à Libreville. Hein. Je ne veux pas faire ce jeu-là. Mais s'ils veulent me pousser à manipuler l'information pour les mettre à mal, je vais les mettre à mal. Si ça peut libérer le pays, on peut le faire. Mais là, je vous ai dit, Ali Bongo a été évacué à Londres. Il est parti. Voilà. Il ne tenait pas sur ses guiboles. Ils ont dit c'est pour 15 jours. Ok. Comme ceux qui sont en contact avec Crieuse, comme ceux qui le payent là, ils payent même Dieu aussi. On va voir. Pour dire que ça dure, chaque fois il part, il revient. Mais un jour, il partira pour toujours. Un jour, il partira pour toujours. Donc, on va essayer de redoubler les vigilances. On va essayer de relancer l'activité. Moi, j'étais malade. Je récupère petit à petit. On va reprendre les hostilités. Il faut plus que les gens la dorment. Il faut plus qu'ils dorment comme ils étaient là. Là, ça a trop dormi. Les gens ne parlent même plus des histoires de la politique, ils esquivent les sujets politiques parce qu'ils ont des combinaisons avec le régime.
On préfère parler seulement des histoires de sexe, des histoires de machin. Il y a des sujets politiques qu'on doit aborder en ce moment-là. Le pays traverse une période particulière. On ne doit plus dormir. On ne doit plus laisser ces gens-là dormir aussi. On doit réfléchir. On a des cerveaux, c'est pour ça. Si les Sénégalais, les Maliens arrivent à se débarrasser de leur dictature, nous aussi, on peut faire ça. Il suffit de réfléchir. C'est pourquoi je vais créer un truc spécial, un numéro Telegram où je vais recueillir vos avis et suggestions, vos avis et conseils. Dès demain, je vais créer ce numéro, je vais le publier. Ce sera un numéro spécial, rien que pour les suggestions. J'attends vos suggestions. Parce que tout le monde n'est pas là, mais tout le monde est un soldat appelé pour la libération du Gabon. Chaque Gabonais est un soldat appelé pour la libération du pays. Donc n'ayez pas peur. Moi, je ne vais même pas chercher à savoir vos noms. Vous pouvez donner un faux nom quand vous envoyez les trucs. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, ce qui compte, ce sont vos idées et aussi le nombre de personnes qui aspirent un peu à l'alternance. Ça, c'est important. Parce que quand on va discuter avec nos interlocuteurs, ça peut être des preuves en disant oui, les Gabonais ne sont plus d'accord, voilà. Tout ça. Parce que ici, là, on pense que comme on ne parle pas, ce qu'on accepte tout, c'est normal. Donc il faut faire du boucan, quoi. Comme on ne peut plus faire du boucan, parce que même quand tu fais du boucan chez toi à la maison, on vient te tuer. Donc à partir de ce moment-là, on est obligé de prendre d'autres choses. Il faut qu'on réfléchisse, on a des cerveaux. On a des cerveaux. Quand moi quand il y a eu l'idée de casserole, quand il y a eu l'idée de casserole, et pourtant ça paraissait un peu comme un jeu. Mais vous avez vu comment ça a pris? Ça a pris le temps que ça a pris, mais ça finit par prendre. Et ça a été une idée originale que même la presse internationale en a parlé. Donc il faut qu'on réfléchisse en creusant un peu. On finit par trouver des choses pour les embêter. Il faut les mettre en déroute. Il faut qu'on les mette en déroute et ça, c'est possible de le faire. Ils ne sont pas intelligents. Regardez, avec les casseroles, ils ont paniqué. Les casseroles ne sont pas des armes. Rien qu'avec les casseroles, ils paniquent. Ça signifie quoi? Que quand on va mettre en pratique les vraies idées, ils vont être en déroute. Il faut les déphaser. Et c'est là où moi, j'aimais André Baobab. Parce que André Baobab les connaissait très bien. André Baobab les connaissait très bien. Donc, il faut qu'on fasse ça. Vous avez vu que nos amis au Sénégal, ils sont en train de se réveiller. Le Sénégal se réveille. Et il ne faut pas que nous soyons derniers, quoi. Le Gabon a toujours été le fleuron de l'empire africain. Le Gabon a toujours été le carrefour de l'Afrique. On ne doit pas être les derniers, quand même. Voilà. Donc, on doit se réveiller en même temps que les autres. On ne doit pas rester derrière pour ne pas être la risée. Donc, pour me répéter, Ali Bongo est à Londres. Ils disent que c'est pour 15 jours. Mais il ne va pas bien. Parce qu'il a écourté. Il devait attendre la formation du nouveau gouvernement. Il n'a pas pu former le gouvernement. Il est parti. Peut-être qu'il va diriger le Gabon à distance comme d'habitude. Comme le Gabon se dirige au téléphone. Sa femme va. Bon, du moins c'est sa femme. Ou Samou. Moi je l'appelle Samou parce que ce n'est pas sa femme. La femme qui fait le bonheur d'un autre homme, c'est pas la femme de quelqu'un. Voilà, arrêtez-moi vos conneries. Si c'est pour ça qu'ils veulent me tuer, eux-mêmes ils vont mourir avant moi. C'est Lydia Bongo qui est en train de commanditer mon assassinat. Elle mourra avant moi. Son cancer là va l'emporter. Donc j'ai pas peur de ça. Donc ce que je voulais vous dire, j'ai très mal au cœur. Je ne dors pas du sommeil du juste. Je suis obligé de prendre parfois. Je suis obligé de prendre. Vous voyez combien de fois c'est couillon. Et vous vous étonnez pourquoi je suis devenu agressif. Parfois c'est ça. Vous voyez. Heureusement que c'est ça, sans accoutumance. Vous voyez ça là. Pour dormir. Ça s'appelle l'oxylamine. Heureusement que c'est ça, l'accoutumance, c'est fait à base de plantes et tout. Parce que ces couillons-là ont déréglé nos vies. Et je sais qu'ils sont nombreux, des Gabonais comme ça, qui n'arrivent plus à dormir à cause de ces couillons qui nous gouvernent. Et comme
ils nous empêchent de rêver, nous on doit les empêcher de dormir. C'est comme ça. Donc, mes radars sont braqués vers... sont braqués vers Dakar, plutôt vers Londres, où il y a le grand malade de la sablière là. S'il crève, pas de regret, je viendrai vous annoncer ça avec joie, avec une bouteille de champagne à la main. Parce qu'il n'y a que ça, on ne peut plus... De toute façon, quand l'épervier meurt, la poule ne pleure pas. Quand l'épervier meurt, la poule ne pleure pas. Voilà. Donc, c'est ce que je suis venu vous dire. Parce que je n'ai pas fait la vidéo toute la journée. Comme je n'ai pas fait la vidéo, les gens peuvent penser que c'était la blague. Pourquoi je n'ai pas parlé de ce sujet. Mais il est bel et bien parti. Il n'est pas au Gabon. Ceux qui viennent vous dire qu'il est là, qu'il nous montre la preuve, qu'on fasse une interview. Qu'ils aillent faire les selfies à la sablière chez lui. Voilà. Donc, je vous souhaite d'ores et déjà une bonne nuit. Et on se retrouve à tout moment. Hein, à tout moment. Si le daï, je vais vous réveiller. Dès que vous entendez pimbon, pimbon, ce que là, c'est bon. Voilà. Donc, je vous souhaite de passer une excellente nuit. Moi, j'ai mal au cœur de vous voir malheureux. Quand vous êtes malheureux, je suis malheureux avec vous. C'est ça. Parce que vous êtes une partie de moi. Voilà. Merci et excellente soirée. Même si nous avons mal au cœur. Il y a Béli, Mourim, Ngenz, comme on dit en pays Gissir. Où chez les poumons. Niya bagi zaya biyo, niya wenyu kumulonge. Niya tasi mama, niya miyoni sama nonga. Mama chine uputu, niya miyoni na udomi nake. La passe de la langue, son malade est inhibé. De ma voix, mon émo, son mon ami de singibé. La paña ganglio, fumala guitarra.
La passe de la guignol, son balai est inhibé. Tu m'as vu mourir, thank you.